Y'a que des pranks comme ça là, ça y est. Je vais crever. Je vais crever. Oh mon Dieu. Oh mon rythme cardiaque. Oh putain. Oh j'ai failli tomber direct. J'ai failli tomber direct. Je suis tombé direct. Et bah bravo, et bah yes, on est déjà éliminé là. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'en avais besoin, c'est sûr. De voir papa avec les larmes aux yeux, ça fait. Bah, à plusieurs personnes, ça rendrait triste. Mais moi, ça me fait plaisir quoi. Parce que ça se. Pardon? Comment? Tu es triste? Cool. Là, ouais. Ne crevez pas tous, par contre. Non, arrête. J'ai fait une headshot. Dommage. 11 sur 14. Voilà. Allez, chais, barre-toi. Allez! Tu es là. Il reste plus que lui. Désolé. C'est toi ou moi. Allez. Non! Non, ah doit non! Allez, ça allez casse-toi. Mais il a. Oh, il a glitché! What the fuck? Allez. Combat d'infirme. Oh. Oh putain! Oui, putain. Non! Oh, let's go! Soit un sort que je connais pas mais qui est peut-être nul à chier. Soit ça qui est bien. T'as mis du prout qui tombe pile quand je dis chier. Bien. Bien joué Anto. Contre les deux cons, le boule. Non! Putain. Oh oh oh! Let's gong! Peut-être le top 1. Mais c'est encore lui là hein! C'est encore le même que la dernière fois qui est contre moi là. Ouais. Oh. Évite. Non, c'est bon, j'ai gagné. Dans les couilles. Oui. Ah oui. Ah. Le timing est incroyable. Dans les couilles. Oui. Les hommes du chevalier d'Arkane sont neutralisés. Je peux utiliser leur terminal relais pour abaisser les ponts. C'est vrai que c'est. Oh putain, oui, c'est clair. Moi, je suis le. Mais c'est Gérard Lopez après le vaccin. Après le vaccin et après 14 faillites. C'est incroyable ça. C'est juste Gérard Lopez après le vaccin. Incroyable. Les fils de pute. Les bâtards, ils m'ont eu. SOCRQT FART SOCRQT FART SOCRQT FART SOCRQT FART SOCRQT FART. Mais pardon ? Est-ce que ce connard vient de me jeter une pierre sur la gueule ? Hop là, éliminé. Ah, je fais malin. Faut que j'arrête de faire le malin.
Faut que j'arrête de faire le malin. Putain. Non mais non non, là je suis pas dessus là, ta mère la pute. Elle mange du Schweppes. Elle mange du Schweppes, oui. Y'a qui fait deux fois de suite, Nick, putain. T'es déjà à 5 PV alors, hein, d'avoir des phases invulnérables. Je sais pas parler. Trois fois de suite, va te faire enculer, vraiment hein. Mais c'est une blague ? C'est une joke ? Meanwhile. Merci. Merci pour le sub. C'était long. Il y avait un screamer, hein. Fuck ce jeu. Fuck ce putain de jeu. Oh, je suis immobilisé. Ah. Oh, nique ta mère. Bon, je vais abandonner. Confirme, je confirme mon papa. T'es où? Ah merde, t'es dans le poison. Moi, je suis mort. Hein. Ah merde, attention, faut trouver un lit, oui. Oh. Ouais, non mais je vais crever comme un con. T'es mort? Moi, je suis abandonné, reparé. De toute façon, on avait pas, on avait plus de bouche, donc. Ouais, bah allez, moi, je suis sur le bateau là. Bon, oh, attention, je suis mort aussi. Ouais, bah, il est chiant, c'est casse-couille. On va se restuff à fond et voilà. C'est bien chiant, lui. Ça sent en haut, les canapèches, ça sent en haut. C'est en haut. Dans le coffre à stuff. C'est bon, hop, on saute. Y'a plus de loot. Vous voyez qu'il a les flèches. Oh bah non, mais sérieux. Il lui manquait 3 coups. Putain. C'est honteux. J'ai envie de crever. On a fait toute la préparation. Oh bordel. Dis-moi qu'elle a donné beaucoup de viande quand même. Oh là là, 10 de viande quand même. Ouais. Elle a... Ça lui suffisait encore deux coups. On a mis deux coups chacun, quoi. J'aurais crevé. Bon, vas-y. Et toi, que t'es pas Talast. Oh, c'est fini. Allez, Anto. Putain, allez, Anto. Bah, allez, Anto. Putain, allez. Allez, Anto, hein. Oh non, tu vas peut-être pas passer. Ce serait trop dommage. Non, oh non, terrible. Let's go. Ah, il s'est vautré juste avant. Incroyable. J'en ai marre. C'est de la merde, il met 18 ans à se relever. Mais c'est de la merde. Il y a le auto tuerie qui est là ici, et il y a le 0 qui est de la capture qui est là ici. C'est tout simple. Oh putain, le zoom. Oh putain, oh le pif. Ah ouais. Pour célébrer notre mariage, un petit air de Jean-Michel Blanquer. J'ai chanté une chanson qu'on aime tous les deux. Donc c'est I Will Always Love You de Whitney Houston. C'est vrai que j'ai chanté. J'avais un peu de mal à chanter, j'étais un peu émue, j'arrivais plus. Oui, bien sûr, c'est l'émotion. Choisir autre chose, quoi. C'est l'émotion. Tu arrives même pas. Oh, mais what the fuck. Ok, bah je suis déjà trop nerveux. Ça s'est très mal passé. On va pas se mentir, ça se passe très mal. Moi je suis tranquille hein, sur ma zone du coup. Sur Twitch. C'est dommage hein. En vrai je suis tranquille hein, par contre... Ah ouais, par contre je suis tombé moi hein. Oh, oh.
Il est sérieux lui? Je suis en... Non, je suis tombé en bas. Ah, salut Hant, salut Tommy. Je suis sûr. Content de te voir ici. Allez, je suis encore tombé. Je suis nul moi là-dessus. Une catastrophe, hein. Oh, l'équipe de merde. Putain, je suis tout en bas. Et après, ça me critique, hein. Moi, je suis pas en bas au moins. On va faire des gigas. Ah! Bonjour. Y'a pas de sel, y'a pas de poivre, y'a pas d'assaisonnement, c'est fade. Sinon, il y a un truc très pratique sur les tables des repas. C'est des. Genre, ça fait cette taille en gros là. Dedans, tu peux mettre du sel et du poivre. Et genre, c'est hyper pratique pour assaisonner les plats à ta guise en fait. Genre, les gens sont pas obligés d'assaisonner les plats comme tu les aimes. Tu peux aussi prendre des petites salières et des petites poivrières et en ajouter dans tes plats. C'est très pratique pour ajuster le goût en fonction de comment tu aimes en fait. Donc là, du coup, on est 10. Ah, le frame 1! Putain! Explosion!